Eh oui, 19h, tu peux pas t'empêcher de revenir. T'es magnétisé. En fait, il y a des messages subliminaux, il faut savoir, dans l'émission. Je te laisse regarder au ralenti. Mais en fait, ça compte pas vraiment, faut regarder les émissions à l'envers. Enfin, je vous laisse faire votre cuisine dans votre coin. Bienvenue dans The Big Gamowski. Oui, nouveau numéro. Gloire, beauté et boulettes de partout, bien entendu. Puisque aujourd'hui, on va repartir en 1997. Dans un Xème reboot de Raiden. Alors, les Raiden, je sais plus combien il y en a eu au total. C'est assez hallucinant, quoi. Il y a une quantité de soft qui porte cette appellation qui est juste hallucinante. Celui qu'on va faire aujourd'hui, c'est Raiden Fighters 2. Alors, je dois vous avouer qu'en fait, je l'ai essayé tout à l'heure et je me suis rendu compte que j'avais jamais joué à ce titre. Et du coup, je l'ai fait en entier et je l'ai trouvé. Bah, va falloir regarder le stream pour savoir ce que j'en ai pensé. Comment ça, vous avez déjà un début d'idée? Oui, je vous comprends tout à fait. Alors, le temps de se caler, le bousin, comme on dit communément, et ça devrait pas trop mal se passer. J'ai pas l'habitude de commencer les émissions avec un générique, et en plus, je vous rappelle que j'ai un fail potentiel qui m'attend derrière. Donc, je suis un petit peu tendu. Ça s'entend dans ma voix? Oui. C'est tout à fait normal. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai des méga vibes. Et je crois que ça va super bien se passer. À part que je n'ai pas calé le titre. Et ça, c'est une immense erreur, quoi. Raiden Fighters, où es-tu caché, petit canaillou? Te voilà. Ce titre à rallonge. Raiden Fighters 2, opération Helldive. Nous voilà. C'est quoi ces signes, la régie? Non, je ne comprends pas. Bah, non. Quelle image? Sûr? Non, je ne vois rien. C'est vrai qu'on voit pas le jeu avec l'image devant. Ça compte en fait? Non. Ne faites pas ça, les gars. Là, tu le sens, le gros son. Alors, je vais baisser celui du jeu. Comment ça, j'ai appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas? Non, je ne crois pas. Vite, on va rater l'intro. Alors, qu'est-ce que ce Raiden va avoir de plus que les autres? Bah, vous allez vite vous en rendre compte, en fait. On reste tout le temps dans la même jouabilité, hein, c'est-à-dire tir chargé, après la bombasse de service, et des patterns qui sont assez sympatoches en général, et pas mal vifs. Je crois que j'avais streamé le premier, j'en avais dit du bien, énormément de bien, il me semble. Et je pense que ce 2 mérite d'être encore mieux. Je sais pas si vous partagez mon opinion. Je vais juste bricoler un truc parce que je me rends compte que j'ai oublié. Non, c'est pas grave. Et je vais remonter le son du jeu. Et je remonte le son. Vite, la démo. Donc, comme je vous disais, on a que du classique. Mais là, si vous regardez bien, les deux avions, quand ils se mettent ensemble et qui déclenchent leur méga tir ensemble... Je vais me permettre l'expression, mais c'est quand même un méga tir, quoi. Alors maintenant, régie, on me dit que le son est trop fort. Faut savoir, les gars, un coup c'est pas assez fort, un coup c'est trop fort. Moi, je peux plus, là. Je peux plus. Et quand je fais la démo du jeu, hein, on y pense? Let's go. Oui, je vais mettre du crédit, parce que je crois que ça va faire mal. Alors, des petits avions que tu peux choisir en fonction de leur performance. Moi, il me faut un truc pas trop rapide. Non. genre ça devrait bien me plaire.
Allez, on va tester. J'ai testé avec le rouge, hein, ma précédente partie, pour le découvrir et me rendre compte que je ne l'avais jamais pratiqué. Alors, ambiance techno aujourd'hui. C'est parti. Ah oui, mais il se traîne trop celui-là. Non, 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 mais je regrette. Je veux changer d'avion, je veux reprendre le rouge. S'il vous plaît. Comment ça, ça ne se fait pas de se plaindre en début de stream? Non, mais vous avez vu la vitesse du truc? Ah oui, effectivement, je voulais quelque chose de souple pour passer entre les boulettes, mais le problème, c'est que je vais passer entre, mais j'aurai pas le temps de dévier avant qu'elle arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a quand même un sous-saille. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je perde pour avoir le droit de changer d'avion. Mais non! Non! Puis c'est quoi ce tir de... Alors il est bien, mais il est... Bah je ferai pas la cuisine avec, quoi. J'ignore la capacité de mon tir chargé, là j'ai des doutes. Parce que ces lasers sont très très beaux, mais apparemment faut qu'ils restent longtemps sur la cible pour qu'elle se calme. Qu'elle comprenne qui est le patron. Est-ce que lui va comprendre? Hoppa! Oui, bah à force de jouer, hein. Rends-moi mon équipement. Man! Non! On laisse le temps de ramasser l'équipement au gars, s'il vous plaît. Bah oui, bah moi je bombe maintenant, voilà, je bombe. C'était mon Kouroux. Alors, il y a un combo d'armes, apparemment, et vu le nombre d'appareils différents qu'on peut essayer, je pense qu'il y a de quoi s'amuser avant de trouver l'appareil qui vous convient exactement. Sachant qu'apparemment, les paramètres, c'est la vitesse de tir, la puissance du tir, la vitesse de déplacement, j'ai bouffé le dernier, je suis désolé. C'est mignon ces cigales! Non, c'est le jeu. Ah! Alors ce qui est bien, c'est que les petits satellites ont un petit délai qui est vachement adapté quand même pour les placer à un endroit et on a le temps de dégager avant qu'on se fasse locker par l'ennemi qui est en train de se dire lui, il est en train de me préparer un sale coup. C'était très laid ça, monsieur, tu ne le refais pas. Eh ben ça tombe bien, disons. Tu sais pourquoi? Parce que regarde ça. Non. Oui! Je crois qu'on va bien s'entendre. Ramasse un petit peu le bordel là. Voilà, ça fera mieux. Et là, je crois que je suis parti pour faire semer l'apocalypse, quoi. Mon destin, ma vision du futur. Ah oui, 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 ça pique les petits satellites suicides, là. Ah, laisse-moi me ramasser mes bonus, espèce de bougre de Kong. Comme dirait, non, je ne le nommerai pas. L'homme aux 10 ans de stream. Bravo à toi, Fred, quand même. Alors, j'ai pas vu ce que j'ai pris. C'était censé mieux se passer, mais il va y avoir un problème, quoi. Les gars, ça pique. Papy n'a pas mis ses lunettes. Attention, purée bordel. On s'essuie avant de balancer des prunes. Alors, est-ce que ce jeu est réussi? Bah, moi, je l'aime beaucoup, parce que déjà, on voit qu'il a été... Bah, la résolution d'affichage a augmenté. Donc on n'est plus dans des résolutions pourries post-80s qui commençaient à devenir un petit peu dramatiques niveau affichage. Et ça devient dur de parler en même temps là, dis donc, c'est moi. Et donc, c'est la fameuse phrase que je ne finis jamais, en général je meurs sous des boulettes, sous des allonges de boulettes improbables. Et donc, bah, il y a un meilleur affichage,
une meilleure résolution et la fréquence d'affichage, mine de rien, elle déchire quoi. Alors je sais pas ce que ça donne dans le stream, mais là je suis large au-dessus du 60 Hz. C'est que du bonheur quoi. J'ai une mi-molle. Ouais, j'ai trois quarts dur même, on peut dire. Et du coup c'est super agréable. Alors ce qui est dommage c'est que j'ai pas un complice pour qu'on essaye le méga tir à deux, parce que je pense que ça doit déchirer et le jeu joue énormément. Bah vous voyez hein, des fois je me plante à cause de ça d'ailleurs, j'avoue. Le jeu joue énormément l'encombrement à l'écran et la lisibilité qui est un petit peu limite des fois. Hein. Et des fois faut y aller, faut pas se poser des questions, faut se dire ça passe. C'est prévu pour passer, hein, y a pas de raison que ce soit pas moi. Pas tout le temps les mêmes. Celui-là, je l'ai bien ratiboisé. Les trucs sur les côtés, c'est traître. Oh, purée. J'avais un bon élan, là, et hop, out of focus, le gars. Ça passait, bordel. Alors le truc qui est rigolo aussi, et c'est pas un défaut, hein, ça fait partie justement du jeu, c'est que votre petit satellite là qui est supposé vous aider, bien souvent, très souvent, et là je dois avouer que ça m'arrive plein de fois, vous allez le confondre avec votre vaisseau, et pour faire le slalom, pour faire le slalom entre les boulettes qui s'imposent de temps en temps, vous avez vu que c'est une très mauvaise idée de confondre. Enfin je sais pas, mais moi je trouve. Ouais, je sens qu'il va y avoir le tir sur les côtés encore, je vais me faire avoir comme un bleu, c'est obligé. Je le sens venir. Ah, putain. Ta. Il est bien pour ça, il est bien, parce que il y a pas de répit, quoi. C'est, tu enchaînes, tu veux te gratter le nez, tu ne peux pas, tu veux te remonter la frange, tu ne peux pas. Non mais là j'ai bombé, c'est pas possible. C'était niette possible. Même avec beaucoup de volonté. Il y a un moment tu ne peux plus. Oh popo, je l'ai fait au culot celui-là. Veux-tu bien crever? Même c'est pas fini la fête. Aïe. Ouais non mais j'ai besoin de repérer là, je vois pas les patterns dans quel sens ils vont partir et je suis un peu perdu. Mais bon, j'ai trouvé mon vaisseau apparemment, je m'entends bien avec celui-là, il a la bonne vitesse. Oh putain, au moment où il crevait. Ça frustre toujours quoi. Oui, tu as fini le tableau mais tu as zéro bonus, tu es mort en même temps que le boss. Alors, est-ce que ce Raiden Fighters 2 est validé? Bah, totalement. Il est excitant, il est bandon, il date de 97, il n'a pas pris une ride quasiment, quoi. Je pense qu'il est bien barré pour aller dans le top. Ceci dit, mes performances, elles, vont tendre à décliner, je pense, à partir de ce niveau. Parce que je pense que les coups vaches, je suis plus à l'abri de m'en taper maintenant. Et j'ai bien l'intention d'aller au bout de ce jeu, muet. C'est très important de faire un rire maléfique prolongé, sinon il n'est pas vraiment maléfique. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, je suis obligé de dire n'importe quoi pour me vider le cerveau et me remettre dans le jeu, j'arrive pas bien. Ça y est, je suis synchro. Je vais me taire un peu. Oui, vous avez dû entendre le pas de claquer, mais c'est normal, c'est la fameuse onde carrée. Faudra d'ailleurs que je fasse un stream entier consacré à cette fameuse onde carrée, mythique, dont je parle tant dans The Big Game Mosquée, dont je suis le papa, hein, faut le dire. Une technique ultime dans les shmups, extraordinaire, qui vous permet, tout en ne connaissant pas vraiment les patterns,
mais en ayant saisi un minimum de la philosophie du titre, de vous faufiler contrairement à cette grosse merde que j'ai fait, qui m'attendait sur le bord de l'écran, mais tranquille quoi. Ouais, je voyais pas où je passais là. Bon déjà c'est un peu calmé là, un petit peu mieux. Ah papa, j'arrive pas à me faufiler. Mon vaisseau va un petit chouille trop vite encore je trouve. Mais j'ose pas changer. Parce que j'ai été terrorisé par celui d'avant. Oui, forcément la petite bombiche quand tu vas récupérer tes bonus, ça aide un peu pour l'achever. Mais regardez-moi ces décors, plein de choupitudes. Oh la musique comme elle est énervée. Oui, 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 oui. Ça passe. J'avais dit que ça passait normalement. On s'était mis d'accord. Que je suis mal sans le bonus, sans l'équipement, sans l'armement, sans rien. C'était pas bien comme situation. Oh purée, je me remets dessous. Vite, bombasse. On récupère tout le matos, c'est vital. Et on y retourne. Focus. À ne pas confondre avec... C'est très très bien compris ce que je voulais dire. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il résiste lui. Pour le 1cc, celui-là doit faire quand même. doit falloir pratiquer quelques runs, je présume. En plus, oui, c'était la foire d'empoigne ici. Regardez-moi cette belle ombre innocente qui ressemble à la colombe de la paix. Comment ça, c'est pas la colombe de la paix? On m'aurait menti. Ok. Tac, tac, tac. Oh, il bouge un peu trop vite. Oh putain! Bien tenté. Hein. J'essaie de comprendre des patterns au fur et à mesure, j'apprends en temps réel. Ah oh, mais j'arrive à me remettre tout sous quand il n'y a rien de dramatique, à part moi qui fais des conneries. On va bomber un peu pour calmer. Hein. Ah bah c'est bien calmé là. Désolé, ce n'était pas très sport, mais... Si je veux arrêter d'insérer des pièces, faut bien que je bombe de temps en temps. Alors je sais pas combien de niveaux il y a dans ce jeu. J'avoue que je suis allé jusque là tout à l'heure quand je l'ai essayé. Oh là là, je commence à consommer beaucoup de crédit, je trouve. Allez, on va essayer de se remettre focus un peu. Jouer un peu comme Nikon. Ok, de nom. Il va bien ce petit laser mine de rien. Oh là 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 là. Frangin et frangin, il y en a un d'un côté et il y en a de l'autre. C'est pas gagné pour moi. Mais ça ne s'arrête jamais. C'était quoi qui tirait de là-haut? J'ai pas eu le temps de voir. Alors ça c'est un des trucs qu'on aime beaucoup dans ces jeux là quoi. Si vous aimez les boss gigantesques qui font plusieurs niveaux, sur lesquels vous scrollez et vous allez dans tous les sens, à gauche, à droite, au milieu, hop, je le sens pas. Ouais, je le sentais vraiment pas. Si vous aimez ces genres de boss, vous allez vraiment vous éclater avec ce titre quoi. Parce que c'est exactement ça, vous voyez comme le jeu oh, me balade, me fait scroller de partout sous un boss qui est gigantesque. Où on se sent, pas très bien quoi. On se dit, comme disait le fameux proverbe de cette chaîne YouTube extraordinaire, la mienne,
Oui, je fais comme Jack Burton maintenant. Il y a moyen que ça se passe bien. Je vais la copyrighter cette expression si ça continue. Mais il y a aussi moyen que... pas terrible quoi. Hop, bah bah bah. Je voulais essayer un truc, je tentais, hein. Je tente des choses. Bah oui, bah, quand t'essayes, c'est ton privilège. T'es pas focus avec tes matrices de déplacement à connaître par cœur, avec un timing à la seconde près. Alors quand il clignote le vaisseau, j'ai tendance à le confondre avec les satellites et c'est inquiétant quoi. Moi-même je me fais peur sur les manips. Eh, on y retourne, je le sens bien. Oh putain. Cette boucherie. Oh, malgré la bombe millimétrée, je suis sorti du faisceau protecteur de la bombe. Quelle erreur. Ah oui, non mais là je peux que bomber les gars, je suis à poil. Hop hop hop, on me laisse récupérer mes habits. Mes affaires. Hop, l'erreur. On va bomber là. Hein. Bon, bombe d'up, bombe de jam. Bon, bah, 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 récupère tes affaires sur le dance floor, mon gars. Oh putain, mais c'est un calvaire. Je sens qu'il vient pour la coupe sur le côté gauche. Est-ce que je me trompe? J'ai intérêt à le moucher vite lui parce que je sens qu'il va, il a pas fini de me faire des misères. C'est ça le terme. On a fait le tour complet, ça ne s'arrête pas, il n'est pas fini. Eh bah. Je suis désolé, mais c'est ça qu'on aime dans ce jeu. Quoi. Ces boss qui ne s'arrêtent pas. Qui sont immenses, qui font plusieurs écrans et on est là. Bon, je t'aurai. Et lui, il continue, comme si de rien n'était. Tu casses une partie, il en reste une autre. T'as cassé l'autre, il y en a encore une derrière. Et t'es là, tu pleures, mais t'es content, en fait. Parce que t'apprends en même temps. Oui, gars, j'aurais dû apprendre plus tôt, là. Tiens, je t'aide un peu, là, parce que... voilà, je sens que t'es malheureux. Non. Oh, putain, je me mets dessous à chaque fois. Il y a un endroit, c'est pas compliqué, mais j'arrive pas à le voir. Elle est pas dure, ce pattern, c'est du Don Pachi. T'étais censé la passer. Quelle honte. Un dernier sursaut. C'est votre dernier mot. Goodbye. Oh, il restait encore un truc à péter. Faire du 100% là-dessus, faut avoir envie. Mission finale. Aïe 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 aïe. Et c'est une surprise, à part qu'il a la conjonctivite, c'est tout ce qu'on en saura. Faut que je reprenne mon laser, il va trop bien mon laser, je l'aime bien mon laser, il est sympa mon laser. C'est marrant comment on prend en affection certaines armes dans les jeux. Certaines plus que d'autres. C'est un peu comme les fringues, hein, j'y reviens. Il y en a qui vous vont, comme les tirs. Il y en a qui vous vont pas du tout, voilà. Ya, qu'est-ce que je consomme, mon crédit, je me fais peur là. Énervé, oui. Alors faut vraiment abuser du tir chargé. Dès que vous avez 2 secondes, hop, chopez vite le tir chargé parce que sinon. Son, c'est un calvaire. Alors le gros là, il met 2 heures à péter. Et c'est un kamikaze. Ok, tranquille. Et il insiste en plus. Ah, faut y aller, hein, faut y aller. On n'est pas là pour regarder les cartes postales dans les boutiques. Hop, 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 hop. Si tu prends 2 secondes pour toi, c'est fini. T'as des matrices de boulettes à l'écran qui s'installent, qui sont improbables des fois. Enfin, elles sont probables, mais elles font mal. Faut vraiment faire voir qui c'est le boss. C'est ça le truc. C'est qui le boss?
Wham, si c'est pas vous, vous savez tout de suite qui c'est l'autre. La réponse est quasi instantanée. Ah oui, chargé, 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 tout le temps chargé. Tu te balades dans ce niveau sans le tir chargé, mais c'est comme se balader à poil dans un camp de pervers, quoi. J'ai pas déjà utilisé cette expression. Moi si, probablement. Ça devait être dans les tout premiers streams. Bonjour. Je viens pour la coupe. Oui, j'attends pas trop parce que je sens pas. Où je m'occupe de ça là-haut. Ah, j'aurais dû bomber. J'ai plus de crédit d'âme. Ouh, il y a des copains. Non, deux Zeus comme ça aligne. Alors, je vois pas d'où ça tire des fois. Il y a des trucs sur les côtés qui sont hors de l'écran, qui sont inatteignables quasiment là. Et qui me foutent une panique à chaque fois. Pour la gloire, je tiens un peu à droite à gauche encore. Ah, il y a encore des trucs là-haut. Mais faites pas ça, les gars. Regarde les deux petits trucs ronds là. Ah, ah. C'est increvable. Et j'ai pas vu ce que j'ai pris en plus. Mais il tire par derrière. My t-shirt, infirmière. Non, pas la piqueuse. Pas la piqueuse. Le t-shirt. Pas par derrière. Not from behind. Forbidden. Regardez-moi ça, comme il est radin en bonus. Comme ça n'annonce absolument rien de grave, ni de tragique, ni de traumatisant, je pense. Ni. Tu es noir, c'est la couleur d'espoir. Oui, un peu d'optimisme dans The Big Demoski, ça fera pas de mal. Hein. Ah putain, j'ai pas le temps de dire ta pattern, je ne comprends rien. Tu me refais ça, non plus lent. J'allais dire plus propre, mais il est propre son pattern. Hein. C'est juste que je pige pas tout, quoi. Ah oui, je vais me prendre une raclée, je pense. Non, je me casse. Ah bah, je me suis bien cassé contre toi, mon gars. Non, tire pas là-dedans, type. Ne tire surtout pas là-dedans. Malheureux renard. Ouais, j'étais en mode un petit peu dodon, j'ai essayé de la reprendre, mais c'est pas la même sous classe, hein. C'est pas évident du tout. Bonjour. Ah oui, la petite bombe, c'est légal. Hop, encore une. Cadeau. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai peu le temps de voir. Mais veux-tu bien crever? J'aurais dû bomber. Tu passes où là, gars? Pff, tendu. Ça, c'est de la haine méchante. Hein. Dis-moi pas que t'as un petit frère, que t'étais vraiment le dernier, ça me ferait plaisir. Mais ça veut dire qu'on est à la fin du jeu, ça veut dire qu'il est pas très long. Alors voilà, la conclusion, c'est que du coup, on a un jeu qui est vraiment super, qui va aller dans les top jeux. Je suis désolé. Non, je suis pas désolé, en fait. Il va vraiment aller dans les top jeux. Ah, mais il me fait un loop, en plus. C'est-à-dire, il y aura peut-être un boss, un vrai boss final. Hein. Quand on fait un loop, en général, c'est comme ça. On va pas le faire. Parce que bon, bah, je vous ai déjà spoilé le premier run. Mais il va aller dans les top jeux parce que... Il est pas super long. Et du coup, oui, des boulets de suicide tout de suite. Hop, hop, hop. Ça commence très très pas bien. Et je vais pas pouvoir parler en même temps, les gars. Donc... Je vais essayer de finir, je sais plus où j'en étais. Bah oui, c'est ça la concentration. Les gens ils croient pas que c'est difficile de parler pendant qu'on joue à un shmup en particulier. Bah si, moi je vous le garantis.
Mais bon, je commence à avoir un petit peu d'entraînement, mais il y a des moments quand tu connais pas vraiment le titre, t'es obligé de parler très très vite comme ça, et d'enchaîner. Et du coup, tu essaies de séparer deux parties de ton cerveau qui pourtant sont uniques. Parce que oui, tout le monde le sait, Monsieur Kahn n'a plus qu'un neurone. Et... Mais bon, je disais, il est pas très long, mais rappelez-vous, je vous ai dit au début, il y a plein de vaisseaux différents. Donc avant de trouver celui qui vous plaît le mieux à piloter, bah, vous allez faire pas mal de runs. Des runs à 3 gros tableaux comme ça, 4, c'est quand même pas mal. Oui, je le défends. Bah, quand j'aime bien quelque chose qui m'a plu, c'est comme tout le monde, hein. Vous n'allez pas laisser le beefsteak pourrir sur la table. Allez, on tire jusqu'au prochain game over et basta. Ça devrait pas tarder d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette. Je t'ai peut-être fait un peu tôt celui-là. Aïe, 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 je voulais pas, monsieur. Pas les affaires, on a dit pas les affaires. Not the fringue. Non. Ah, Raiden Fighters, tu es dans le top. Il y a beaucoup de bons moments à partager avec ce jeu, je pense. Déjà, s'amuser avec le 1CC, c'est un truc sympa. Et ensuite, je pense qu'il y a pas mal de performances à le faire. Alors, entre les différents zingues, ou jouer à faire le niveau, enfin le jeu qu'avec un tir, je sais pas. Je pense que les gens qui ont envie de scorer, ils ont de quoi se défouler sur ce Raiden Fighters 2, Opération Helldive, titre à rallonge de la mort, tout à fait excellent et qui est dans notre top shmup. Je vais enlever son image. Et oui, je suis comme ça. Je vais même vous mettre la playlist courante, la playlist des shmups, une playlist bonus, parce que je suis de bonne humeur du coup, et je vous rappelle qu'il faut vous abonner, ce serait vraiment super. Merci, à demain 19h, même endroit, ciao.